Je m'appelle Msik Ahmed Amin. L'année dernière, j'étais en Master 1 à l'Université Paris-Dauphine en mathématiques approfondies. Et j'ai décidé de candidater à Télécom Paris pour l'intégrer en deuxième année du cycle ingénieur. J'ai choisi Télécom Paris parce que c'était une école qui était en adéquation avec mon projet professionnel, devenir un data scientist dans le secteur des ressources primaires et d'avoir toutes les compétences requises. Mon intégration s'est très bien passée. Les élèves ont été très accueillants. Ils m'ont aidé à comprendre comment se passaient les cours, comment choisir les cours en deuxième année, parce qu'il faut choisir deux filières qui m'ont orienté et permis de mieux comprendre quelle filière allait me permettre de réaliser mon projet professionnel et d'avoir tous les acquis que j'attendais de Télécom Paris. Arrivé à Télécom Paris, j'ai décidé de choisir la filière Max. Donc c'est une filière beaucoup plus mathématique et la filière sciences des données. Le premier conseil, je pense, c'est de candidater parce que très peu de personnes candidatent, surtout comme dans mon cas en première année de master. Surtout, bien préparer les épreuves écrites qui, en mathématiques et en physique, peuvent représenter certaines difficultés si on a par exemple jamais suivi un enseignement en physique. Je dirais jusqu'ici innovation avec tous les projets que ça permet de réaliser et tout ce que les professeurs nous enseignent.